à tous. Donc, je voulais vous présenter sur cette vidéo mes achats que j'ai fait pour aider le Papa Noël. Voilà. Donc, il y a certains articles que pour moi, comme ça, simplement, ou pour mes enfants. Mais je voulais vous faire part de ce que j'avais pu trouver. Donc, et à des prix très très abordables, parce que souvent, c'est des objets que les gens ont utilisés, ou même très peu de fois, et même quasiment tout neuf. Donc, je vous montre tout ça tout de suite, et on est parti. Alors, on commence tout de suite par cette paire de chaussons, qui est... Bon, voilà, c'est des simples petits chaussons, mais il fallait que j'en achète pour mon petit dernier. Elles sont neuves, hein, donc c'est pour ça que j'ai recherché, ne vous inquiétez pas, des chaussons qui ne sont pas utilisées. Ce qui est bien sur Vinted, vous pouvez marquer chaussons neufs ou vêtements neufs, ce que vous voulez. Et là, c'est bien précisé dans l'article. Alors, il y a bien sûr sûrement des gens qui mentent. Mais en tout cas, là, pour le coup, non, non, elles sont vraiment neuves. Vous voyez bien que là, la semelle, elle n'est pas du tout abîmée. Donc, je suis hyper ravie. Dessus, vous avez des petits nounours avec des petits nuages, petite voiture. Ça lui correspond. C'est parfait. Ensuite, je me suis trouvée, parce que en général, quand il y a un article que je recherche et qui correspond à ce que je recherche, je veux dire, j'essaie en général, en règle générale, hein, j'essaie de faire des lots parce qu'il y a les frais de port qui sont moindres. Donc, pour le coup, pour les chaussons, il y avait juste un sac qui me plaisait. Donc, je lui ai pris à la dame un joli sac marron camel, couleur camel comme ça. Donc, c'est avec une lanière. Donc, on peut la régler ici, mais on ne peut pas l'enlever. Vous avez une petite pochette derrière avec un petit tissu floral. Le sac, il sent super bon. Là, franchement, je ne sais pas ce que c'est comme parfum, mais... Donc, c'est un tissu comme ceci, en fait. Et vous avez... c'est en fait, ça se ferme en aimanté, vous voyez? Et donc, c'est un petit sac pour l'automne-hiver, quoi. Et je le trouve super joli. Donc, dedans, vous avez une, deux poches et deux compartiments. Franchement, j'ai de la place. Non, franchement, il est très très joli. Très bonne qualité. Il n'est pas du tout abîmé, hein, je regarde, mais il n'est pas du tout abîmé. Donc, je suis ravie. C'est un joli petit sac couleur marron comme ça, camel. Franchement, je le trouve super mignon et j'en suis ravie. Alors, ensuite, j'ai. Donc, là, par contre, c'est pour mon grand. C'est pour mon grand, donc je lui ai pris Fortnite pour la console Switch, parce que je tiens à préciser que cette vidéo, quand vous allez la voir, forcément, no Noël sera passé. Hein. Je précise, je ne la sortirai pas. Vous n'allez pas la voir avant Noël, mais vous allez la voir après Noël. Et en fait, ça fait 2 ans que mon grand demandait à avoir la Switch, donc cette année... Forcément, il l'aura et je lui ai trouvé le jeu Fortnite. Comme ça, il pourra jouer avec ses copains en réseau. Ça sera sympa et franchement, je ne l'ai pas payé cher. Ah oui, alors je précise, le jeu là, par contre, celui-ci, il est sous blister. Il est sous plastique. Voilà. Ensuite, je l'ai payé 25 euros, je crois. Les chaussons pour mon petit loulou, je les ai payés 1 euro, je crois. Je crois que c'est 1 euro ou 2 euros. Le sac, j'ai dû le payer 3 euros. Et pour le jeu de Fortnite, la personne me l'a fait descendre à 25. À la base, il était à 35 euros, 9. Je l'ai payé 25 euros. Donc franchement, je vous dis, hein, vous faites des bonnes affaires quand même. Hein. Ensuite, donc là, ce sera... c'est quoi déjà celui-là? Alors là, c'est un autre jeu que je lui ai trouvé. Donc bien sûr, bon bah celui-là il n'est pas sous blister, mais il est pas voilà, hein, c'est un petit jeu comme ça. Donc là c'est quoi? C'est Scribble Newt Showdown. Donc c'est un jeu de plateforme, je pense, où on doit faire plusieurs choses. Bon, il verra ça. C'était un petit bonus. Celui-ci m'a coûté 7 euros. Franchement, voilà, c'est un petit jeu. Il s'amusera en plus. Ça sera pas mal pour lui. Ensuite. J'ai pris ensuite ceci.
C'est de Pierre Cardin. Je l'ai payé 12 euros, je crois. Ouais, je crois que c'est 12 euros. 12 ou 13 euros, je sais plus. Et en fait, c'est pour ma maman. Et ça, je pense que ça va lui faire plaisir. Je prendrai autre chose à côté. Donc, ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez ici un agenda. Un agenda, un petit carnet, un grand carnet. Vous avez un stylo. Et vous avez un petit calepin donc pour le répertoire téléphonique. Donc je vais vous montrer un petit peu. Moi je trouve qu'il est super beau. Alors vous en aviez deux styles, plus pour homme. Et celui-là je trouvais très très beau. Donc c'est pailleté, vous avez vu? C'est pailleté. Et dedans, donc ça c'est le petit, vous connaissez, bah, avant on utilisait ça. Moi j'en avais un. Maintenant on n'en a plus trop besoin. Mais bon, ma mère elle aime bien avoir ça dans le sac. C'est pour mettre tous les numéros de téléphone, les adresses. Donc ça c'est bien pratique. Ensuite, vous avez un simple petit stylo comme ça. Oui, il est tout simple, mais il est très mignon. Il y a marqué Pierre Cardin dessus. Et pour finir, vous avez un petit carnet comme ceci. Et dedans, vous pouvez. Donc, c'est des pages blanches. C'est des petites pa c'est des pages blanches, en fait. Et puis voilà. Donc, il y a marqué Pierre Cardin, mais je l'ai trouvé trop beau. Voyez, je sais pas si on voit bien parce que je suis désolée. Voilà, c'est pailleté. Vous avez vu? C'est trop joli. Moi, je pense, bon, ma mère, je sais qu'elle va aimer. Donc, je voulais un petit cadeau original. Et bah là, c'est parfait. Pour moi, je trouve que c'est simple. Et puis, ça fait très simple. Et je trouve qu'en plus, pour le prix, Pierre Cardin, c'est quand même connu. Donc, voilà, je suis assez contente. Ensuite. Donc là aussi c'est pour le par le biais du Papa Noël que bien sûr il passera par la cheminée, bah, du moins par le poêle parce que moi j'ai pas de cheminée. Ah si, j'en ai dans ma chambre. Je lui ai pris à mon petit loulou des grosses voitures comme ça. Alors pourquoi des grosses voitures comme ça? Parce que bon il va sur ses 2 ans, bah, là il va avoir 22 mois si je me trompe pas, voilà 22 mois ce mois-ci. Et monsieur adore les voitures, adore les camions, voilà, bon, bah, c'est un garçon. Mais il me jette les jouets en ce moment, c'est une folie. Donc, et puis bien sûr, ça le fait rire. Donc j'ai décidé de lui trouver des grosses voitures comme ça. Donc c'est en plastique dur. Et au moins ça, je suis sûre qu'il ne va pas me les casser. Donc je vais vous montrer un peu, il y en avait 4 en tout, et elle m'en a rajouté une, parce qu'elle en avait trouvé une, donc elle me l'a fait gratos, quoi, en fait. Donc là, vous avez la poubelle, la benne. Ensuite, vous avez un autre camion comme ça. Donc c'est marrant en plus, ça c'est parfait pour lui, il va être ravi. Et la quatrième voiture, c'était celle-là. Voilà. Et donc elle m'a fait cadeau de cette jolie petite voiture. Alors celle-ci, je ne sais pas si elle va tenir longtemps avec les roues, mais voilà, c'est super gentil. Moi j'aime beaucoup les gens qui font des petites attentions comme ça. Je trouve ça super sympa parce qu'elle aurait pu ne pas me la mettre. Voilà. Et dans le paquet. Et franchement, mon fils va être hyper content. Ensuite, et oui, hein, c'est pas fini. C'est pour ça que je voulais. Il y aura sûrement une autre vidéo Vinted parce que j'ai acheté d'autres choses. Alors, j'ai pris aussi, alors là pour le coup c'est pour moi, sauf si je décide de le mettre pour ma mère, avec le petit, j'hésite. Et, alors c'est un ensemble en fait, c'est un pendentif, c'est un collier, je vais y arriver. Mais j'ai une boucle d'oreille qui est coincée dans le pendentif. Voilà. Donc ce sont les jolies petites boucles d'oreilles comme ça. Nacrées un petit peu. Ça fait un peu nacré. Voilà. Et le joli collier. Donc c'est vrai que ça pourrait peut-être plus aller à ma mère. Je ne sais pas. Moi j'avais flashé dessus. Bon, c'est pareil. Ça j'avais pris parce que bah, c'était pour faire un lot, pour avoir les frais de port moindres. Donc je trouve ça plutôt sympa. C'est une petite cordelette comme ça. Donc peut-être que je vais le donner à ma mère. Je ne sais pas encore, j'hésite. Soit ça, soit je lui donnerai éventuellement un petit produit que j'ai en stock chez moi. Et puis voilà. Donc il y avait ça dans le colis. Ensuite, j'avais pris pour mon petit dernier un petit haut comme ceci de 18 mois.
C'est un petit. Donc il y a marqué 82 derrière. D'ailleurs, c'est mon année. Que je me fais vieille. Et donc c'est un manche longue, c'est un petit polo tout simple, un petit haut sympatoche. Je lui ai pris aussi en même temps dans le lot, bah, je lui ai trouvé, comme il n'en avait pas de pull rouge, ah oh bah tiens, eh, un petit polaire comme ça, rouge. Pareil, je lui ai pris en 18 mois, parce que là il a bien grandi, mon pitchoun là. Autant il était tout petit, on dit, oh, il est tout petit, et autant là il a grandi, hein. Oh la vache. Donc ça c'est fait, et le dernier. Et pas les moindres, c'est pour mon grand et c'est forcément Fortnite. Et oui, hein, voilà, moi je connais de nom, mais je me suis jamais intéressée à ce jeu-là. Mais apparemment, c'est vrai que c'est sympa. Apparemment, hein, les jeunes adorent ce jeu. Donc, c'est un livre tout simplement tout neuf que j'ai payé 2 euros. Et ce livre-là, ça donne des trucs et astuces pour atteindre le top 1. Donc, c'est un guide Fortnite. Donc, très bonne qualité. Qualité, hein, c'est vraiment pas du tout abîmé. Moi, je l'ai payé 2 euros et je vois qu'il était, il coûtait 6,95 €. Donc, vous voyez, j'ai fait une très très bonne affaire. Pas du tout abîmé, il est tout neuf. Donc, franchement, je suis ravie de mes achats. Wally Wallo. Alors, je voulais préciser que le petit ensemble de collier boucle d'oreille m'a coûté 1 euro. Les quatre voitures m'a coûté 1 euro aussi. Donc le jeu comme ceci, là, le deuxième jeu m'a coûté 7 euros. Et je crois que c'est tout. Dans l'ensemble, je crois que je vous ai tout dit. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer, je voulais vous parler de deux petits trucs que mon homme avait acheté. On se retrouve. Bon, la vidéo, elle n'est pas finie, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai encore d'autres articles que j'avais mis de côté. Je viens tout juste d'y penser. J'avais reçu. Alors, ça, c'est le méga cadeau que j'ai, le Papa Noël a trouvé pour le petit dernier. Alors. Hop. Donc, le petit dernier, il va avoir. Un cheval à bascule. Voilà, j'ai craqué 5 euros. 5 euros. Alors, ne vous inquiétez pas. Hein, j'ai les pieds qui sont ici, qu'il faut que je monte. D'ailleurs, il faut que je le fasse aujourd'hui. Mais voilà, un beau cheval avec. Voyez? Alors, il est un tout petit peu, on va dire, un tout petit peu abîmé sur le haut d'une oreille. Mais franchement, très bonne qualité, pas du tout abîmé. Voilà, c'est un très très beau. Il a une très belle petite queue blanche derrière. Non, il est génial. Et franchement, il va être fou. Là, je sens que là, il va galoper. Oh, il va galoper. Hein. Ensuite, je sais plus si dans la dernière vidéo Vinted que j'avais faite, donc je vais vous le remontrer. Les deux articles que j'avais achetés pour mon grand et je me suis dit je vais les garder pour lui donner au Papa Noël. Alors je dis ça, hein, vous comprenez pourquoi. Donc je lui ai repris cette veste-là. Alors pourquoi je lui ai repris, c'est que tout simplement, merdouille, j'ai réussi à retrouver cette veste-là. C'est une veste, vous voyez, à capuche, hein, toute simple, et elle est molletonnée dedans. Voilà, elle est hyper épaisse. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai montré, donc je vous la remonte si. Bon, c'est comme ça. Et en tout cas, c'était une veste qui. Alors, soit il l'a paumée, je ne sais où, ou soit on lui a piqué, mais en tout cas, voilà, ça m'avait un peu, même beaucoup embêté lui aussi, parce que bah, déjà, c'était un cadeau de mes parents, et que il l'adorait beaucoup. Donc là, il ne sait pas du tout que j'ai réussi à lui retrouver la même sur Vinted. Et j'ai mis du temps à la trouver, hein, parce que je peux vous dire que ça n'a pas été facile. J'ai dû faire des recherches sur Google. Bon, bref, on ne va pas passer et épiloguer sur ça dans cette vidéo. Et en même temps, bah, je me suis dit, Séverine, tu lui prends une veste comme ça, tu vas voir s'il y a autre chose. Et bien, bah, je lui ai aussi pris un joli pull comme ça, Crix. Donc, c'est un pull vert à capuche, hein, toujours. Et je lui ai pris du 12 ans ou du 14, je ne sais même plus. Je crois que c'est du 12 ans. Ouais, c'est du 12 ans, 12-14 ans. Et
Et en fait, c'est un vert comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc dessus, c'est Crix. Donc sachant que le pull, celui-ci, je l'ai payé 2 euros, je crois. Et la veste de base à Lidl à l'époque, elle coûtait 9,90 €. Je crois un truc comme ça. Et là, je l'ai payé, j'ai dû la payer 4 euros, je crois. 3 ou 4 euros. Donc franchement, une très bonne affaire. Ensuite, chez Leclerc, mon homme a craqué. Non, ce n'est pas pour moi. C'est pour mon petit dernier. Voilà, il a craqué sur cette bestiole. Elle est trop choupie, elle est toute douce. Alors, je ne sais pas du tout le prix, les filles, parce que c'était à Leclerc. Il a été vite fait à Leclerc. Il est tombé sur ça, sur ce petit raton laveur. Hein, je crois que c'est un raton laveur. Hein. Et très bonne qualité. Elle est toute douce. Bon, je pense que ça doit coûter au moins 10 euros, ça, hein, je pense. Hein. Je pourrais pas vous le dire. Après, je vais pas demander combien ça a coûté. Voilà, il lui a trouvé et il l'a acheté. Donc, à mon avis, il va être heureux. Le petit dernier va être hyper, hyper heureux. Et pour finir, mon homme a pris pour le grand, parce qu'il aime beaucoup les BD. Donc pour continuer la collection des Tintins, voilà, donc il lui a pris Tintin le trésor Rakash le rouge, Rakam le rouge. Oups là, je sais pas si vous allez bien voir. Bon, elle est très connue, hein, la pochette. Et ensuite, le secret de la licorne. Voilà. Donc il faut savoir qu'en général, les bouquins comme ça, voilà, il faut compter 10,93 € ou 11 euros. Une BD, mais au moins ça plaît tout le temps, hein, les BD. Et puis bien sûr, bon, bah, la fameuse Switch. Voilà. Donc ça, c'est pareil, la Switch Lite, bah, ça n'a pas changé. C'est le même tarif que l'année dernière. Donc il faut savoir qu'il y a cette version-là en Switch. Et vous avez aussi la console où vous pouvez jouer à 4, je crois, à plusieurs dessus. Comme la PlayStation 3 ou 4, voilà, qui est plus donc une console de salon. Et nous, on lui a plus pris celle-ci parce que c'était celle-ci qu'il voulait. Hein. Comme ça, il peut en soirée quand on est chez des amis. Bon là, ça fait un moment que ça n'a pas été le cas, mais depuis bientôt un an hein, qu'on a été confinés deux fois, machin et tout. Donc c'est vrai que là, pour le coup, quand ça ira mieux, au moins pour pas qu'il s'embête chez les amis, la console de jeu. Voilà. Mais tout en petite modération, parce que la nouvelle génération, là, c'est une catastrophe. Hein. Les écrans, c'est assez compliqué. Donc, voilà mes achats. Donc, je vous ai montré des petits achats. Et je voulais vous parler aussi, parce que je ne sais pas si vous avez vu, je me suis fait les ongles. Voilà. Et c'était le fameux vernis que j'ai eu dans une des box. C'est de la marque L'Oréal. Et c'était Mocha Chic. La couleur, c'est la 662. Et franchement, quand il disait sur la box qu'on avait juste à mettre juste une fois le vernis, ouais, franchement, nickel. Franchement, moi je le trouve magnifique. Voilà, je voulais juste vous en parler. Si vous voulez le tester, c'est un L'Oréal. Alors, je sais pas, L'Oréal, je sais pas quoi. Non, il n'y a pas marqué. Non, c'est juste marqué L'Oréal. En tout cas, voilà, je voulais vous en faire part. Sur ce, bah écoutez. Passez de bonnes fêtes, de très très bonnes fêtes. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Merci de me suivre. Mettez des pouces bleus, c'est gratuit. Et puis écoutez, on se revoit très prochainement. Au pire des cas, à la nouvelle année. Parce que voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire une autre d'ici là. En tout cas, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. Gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye!